Moi, je m'appelle Ariane et je suis artiste. Tout mon travail tourne autour des rêves puis de l'inconscient. J'essaie que les gens ils prennent contact avec cette partie-là d'eux-mêmes qui est un peu oubliée. Ce que j'essaie de transmettre, c'est justement l'effet d'un rêve. Qu'est-ce que ça nous laisse quand on se réveille, un rêve, les traces d'un rêve ou les empreintes d'un rêve? À quoi ça ressemblerait, ça, si on pouvait mettre des images là-dessus? Dans les rêves, il y a beaucoup d'indices de qui on est. Puis j'aimerais ça que les gens prennent le plus le temps de se découvrir eux-mêmes, au fond d'eux-mêmes, pour voir qu'est-ce qu'ils ont dans leur trip. Puis plus on apprend à se connaître nous-mêmes, mieux on apprend à connaître les autres aussi par la suite. Pour moi, ça passe par les rêves. Puis j'essaie de que les gens soient en contact avec leur imaginaire et leurs rêves, justement, pour atteindre cette partie-là d'eux-mêmes qui est souvent un peu cachée et sublimée. Si on se cache à nous-mêmes, on se cache.